Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. La saison 1 est sortie sur Waven et avec ça, donc tous ces changements. Donc vous avez le nouveau combat format de l'île compétitive avec le nouveau système de combat de Sir Momor qui doit se faire désinguer par lance dure. Actuellement, on est jour 1 là, au moment où je tourne la vidéo de la sortie de la saison et le combat ne fonctionne pas. Il y a quelques petits soucis de lancement. Je pense que les serveurs sont un peu surchargés pour être honnête. Du coup, j'ai pas réussi à vous tourner la vidéo pour le combat pour le moment. Mais dès que c'est possible, je le ferai pour une découverte en même temps avec vous. En attendant, on va parler du pass de combat sur Waven et du nouveau système de pass de combat. Comment tout ceci fonctionne. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Hop. Et on va débriefer un petit peu de ce qu'il y a dans ce pass de combat également. Notamment au niveau du Gold Pass et du Platinum Pass qui sont vraiment pas mal là pour le coup par rapport au free. Donc, maintenant, il vous faut faire des objectifs pour débloquer des étoiles. Ces étoiles qui vous débloqueront les récompenses dans le pass de combat. Ce sont des objectifs à faire à la semaine que vous pouvez faire pendant toute la durée du mois de la saison. Il n'y a pas de souci, hein. Si la première semaine, vous ne pouvez pas jouer, vous pourrez quand même faire ces objectifs la deuxième semaine. Si vous achetez le pass, ou même si vous ne l'achetez pas d'ailleurs. Parce que pour avoir le free, maintenant, il vous faut gagner quand même les étoiles. Et ouais, les gars. Donc, dans ces objectifs, vous avez pour la semaine 1, donc cette première semaine, lancer un combat contre Sir Momor, gagner 1000 points dans le combat de Sir Momor. Bon, pour l'instant, on ne peut pas le lancer, mais vous avez compris. Générer 10 jauges en un combat. Ça vous donne à chaque fois donc des niveaux d'étoiles différents. Donc là, par exemple, lancer un combat contre Sir Momor, c'est 10 étoiles. Après, c'est 20 étoiles. Après, c'est 30. Après, c'est 40. Après, c'est 50. Vous en gagnez de plus en plus. Remporter 5 combats chez Oblero sur l'île des Chaffeurs. Vous pouvez lancer n'importe quel combat de n'importe quel niveau. Ça n'a pas d'importance. Finir un chapitre du donjon Chaffeur. Vaincre 25 Chaffeurs. Et vaincre 3 boss du donjon Chaffeur. Voilà, donc cette semaine, c'est orienté vers le donjon Chaffeur. On est dans le thème, hein, on est en octobre, les gars. Halloween, tout ça, vous connaissez. Donc ça, c'est pour le nouveau système d'objectifs du pass de combat. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a en compétences. Donc vous avez les nouveaux coffres saisonniers, les coffres d'Albuera, dans lesquels vous avez des nouveaux items, des nouveaux compagnons, etc., etc., des nouveaux sorts aussi, hein. Vous avez même des nouveaux sorts là sur les classes. Donc c'est très très plaisant que vous les ayez en free directement. Ça vous permet de tout simplement d'aller choper les nouveaux items simplement. Des fragments de Wakfu donc, qui nous servent en l'occurrence ici à acheter des coffres d'Albuera ou d'autres coffres hein, si vous le souhaitez. Petite précision, ils ont revu les gains de fragments de Wakfu à la hausse. Donc maintenant vous en gagnerez beaucoup plus quand vous faites les activités saisonnières. Pour le Gold Pass, on a des tickets de portail, donc les tickets de portail qui, je le rappelle, servent à lancer cette activité juste ici, qui pour l'instant déconne. Hop! Donc qui sert à lancer ce combat juste ici, qui vous fait gagner des fragments de Wakfu. J'ai hâte de le tester. Vous en avez un, je crois, par jour de base. Et du coup, si vous achetez le pass de combat Gold, vous en aurez plus en fonction des semaines à venir. Et pareillement pour le Platinum Pass. Après, on a un petit effet coup de grâce. Des gemmes, tickets de portail. Ils ont mis beaucoup de tickets de portail, j'ai l'impression, quand même, dans ce pass de combat. Pour le Platinum, on a les petites émotes en rapport avec la saison. Donc, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, le pass de combat sera en rapport avec la saison. Et donc... toutes les récompenses lui seront liées. Donc, toujours pareil, ticket de portail. Pour le free, on voit qu'on a des fragments de Wakfu, des coffres d'Albuera, quelques petites émotes, une apparition de héros qui a l'air assez stylée en vrai, dans le Gold Pass ici. Des coiffes, des émotes, en veux-tu, en voilà. Un effet coup critique qui, pareil, a l'air assez stylé pour le coup. L'animation a l'air d'être assez jolie. Une traînée. Ok. Apparition de compagnons. Très très dark tout ça, très très dark Sasuke, ça me plaît bien. Démarque-toi des autres joueurs du monde grâce à cet effet visuel des plus élégants. Le petit halo avec les espèces de mains de spectre. Assez sympa et voilà. Donc on a fait le tour, vous voyez c'est assez rapide. On a énormément de tickets de portail en réalité. On en a 3 par semaine avec le platinum et le gold. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ça vous fait un peu plus de run dans le pass de saison. Donc une... progression légèrement plus rapide, je pense parce que vous aurez les items du coup un peu plus rapidement, mais honnêtement c'est pas, je pense pas que ça soit game breaker. Est-ce qu'ils le retireront par la suite ou pas ce système de pass, ça va dépendre un petit peu de vos retours. Moi je trouve que c'est une assez bonne idée, on tombe pas du tout dans le pay to win ici, même si
En fait, ça m'embête, mais ça m'embête pas. Parce que si vous voulez, comment vous dire? Ces petits tickets de portail, ils servent à faire une activité qui vous rapporte certes des fragments de Wakfu qui vous servent à acheter des coffres uniquement, en fait. Et ces coffres, si vous voulez, ça va être des coffres saisonniers principalement. Donc ça accélère, entre guillemets... Si on peut dire que ça accélère par contre le fait d'avoir les nouveaux items saisonniers. Mais je trouve pas le système du tout game breaker comme dans certains pay to win. Pour ceux qui ont déjà joué à Diablo Immortal par exemple, c'est une catastrophe hein, ce jeu. Voilà, je le dis. Et on tombe pas du tout là-dedans, ça reste quand même très très limité. Et puis c'est pas 3 tickets qui vont faire vraiment une énorme différence, je trouve. Donc c'est un très bon système. À voir s'il le laisse par la suite, voilà. Donc ouais, vous avez donc les objectifs à remplir chaque semaine. Donc vous avez hop la semaine 2 ici qui se débloque, la semaine 3 et la semaine 4. Et tout ceci fait que ça vous fait des petites activités à faire en jeu, notamment pour ce pass de combat. On a fait un petit tour, on va aller essayer de se débloquer. Hop, un petit objectif, qu'est-ce que je pourrais faire? Finir un chapitre du donjon Schaffer. Un chapitre carrément. On peut aller se faire un petit donjon. Comme ça, je vous fais voir comment les objectifs se débloquent. Putain, par contre, je cherche à chaque fois mon bateau sur cette île. C'est une catastrophe. Totalement fou, le yop, là. Totalement fou. Let's go. Donc, un chapitre du donjon Schaffer. Donc, c'est n'importe lequel. Hein. Je vais mettre le niveau, le niveau 40 pour que ça aille un petit peu plus vite. Pour vous. Histoire qu'on voit juste... simplement la récompense, comment ça proc, etc. Les petites étoiles. Allez, venez à moi. Ça va être assez rapide. On devrait les tuer assez facilement, les poteaux. Bon, le yop, par contre, il tue un par un. Hein, donc, on peut pas tous les tuer d'un coup. C'est un peu dommage. J'ai monté pas mal de persos dernièrement. Il m'en reste encore quelques-uns, notamment des SRAM à monter. J'ai monté que 2 SRAM, le Kartana et le Shugen. Donc, il m'en faut un petit peu plus. Et je pense que je vous ferai une énorme tier list une fois que j'aurai bien testé tous les persos. Ça sera probablement au milieu de cette saison-là. Au milieu de la saison 1. Avec plein de critères, etc. Je vais essayer de faire un truc au maximum sérieux. Dans le sens où on va essayer vraiment de juger les classes en fonction de leurs forces et leurs faiblesses. En prenant pas mal d'aspects en compte. Donc j'espère que ça vous plaira. Mais ça arrivera pas maintenant. Il faut que je teste toutes les classes. Je ne vais pas faire une tier list sans avoir tout testé. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt. Ok, donc là, on a déjà un objectif qui approche, c'était vaincre 25 Schaffers. Donc, si on va dans le pass de combat, on voit que là, donc j'ai débloqué tout simplement des étoiles et j'ai mes récompenses ici à récupérer. On va les récupérer d'ailleurs. Hop. Hop. Sire, t'es mort. Ah ouais. Violent, ce pass de combat, il est violent. Après, je pense qu'il pourrait rajouter d'autres choses. Il y a peut-être beaucoup de tickets, je sais pas, j'arrive pas trop à me rendre compte pour l'instant. On est day one, donc... Mais peut-être qu'il y a beaucoup de tickets et pas assez d'autres récompenses. Pas assez de skins... Moi, ce que j'aurais aimé, c'est... Ça aurait été un skin de classe. Peu importe la classe. Exclusif au pass, en fait. J'aurais vraiment trouvé ça cool. Bon, allez, meurs. Ok. Donc vous allez voir, ça va proc normalement à la fin du donjon. Le petit objectif. Mourez tous. Bon, ces ossuaires funestes qui font que pop là. Ils vont nous rendre fous, mais tranquille. Tranquille, tranquille, ça va aller vite. Le plus long, c'est le tour des mobs, hein. De toute façon.
Ok. Je vais invoquer le pet, hein, il va nous aider à clean. Let's go. On les fume. Hop. Ça fait que spawn. Que spawn. Ah ouais. Ok, le français, ouais. Ça fait que spawn. C'est une folie. Mourez. Ok, plus qu'un mob. À deux si on compte le crâne d'œuf. Oh non, je vais pas pouvoir le tuer. Pas la range. Eh non, je peux pas. Dommage. Ok. C'est bon. Nickel. Donc on a fini un chapitre. Est-ce qu'il faut sortir du donjon? Peut-être. Hop. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu pas. Donc finir un chapitre du donjon Schaffer. Nickel. Et le pass de combat, voilà. Vous allez voir que finir un chapitre du donjon Schaffer, j'ai bien eu mes 30 étoiles ici. Et donc voilà, c'est comme ça que vous allez remplir votre semaine 1 d'objectifs, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette petite présentation du pass de combat vous aura plu, ainsi que son nouveau système. Je vous ferai une vidéo probablement pour découvrir les nouveaux items des coffres d'Albuera, ainsi que une vidéo sur le nouveau système de combat saisonnier. Sur ce, je vous fais des bisous, passez une très très bonne journée et à demain pour une prochaine vidéo. C'était Fatratz, ciao.